Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Axio Rival. Nous sommes le lundi 1er juillet 2019, il est 16h12. 1er juillet, on dit pas bonne année, non ? Non ? Non, on doit dire bonne demi-année. Ah ? Allez, on va fêter la bonne demi-année avec du champagne. Oh, les fêtes de noces des... ça va, un peu chaud, voilà, il fait très chaud dehors, donc on n'est pas sorti, hein, il fait trop chaud. Donc je me suis dit, on va faire un petit peu de arc sur Valguero, parce qu'ils nous ont pété les derniers lits, là, les autres, là, ils nous ont pris en otage hier. Je me suis libéré hier, j'en ai tué quelques-uns, parce qu'ils avaient ils avaient 6-7 personnages d'emprisonnés avec les menottes sur des chaises, ils nous avaient habillés en rose, tissu rose. Et donc j'y suis retourné à 1h30, 2h du matin, et j'étais détaché, j'en ai tué 3-4. Pour les libérer, hein, évidemment, et puis je me suis suicidé, quoi. Donc on a pu s'en échapper, voilà. Et là il nous a recherché hier, hein, puisqu'on a réapparu dans ce coin là il nous cherchait avec la Wyvern, parce qu'ils étaient pas déconnectés et ils nous ont pété nos derniers lits, hein, ça y est. Donc on a plus rien par là, donc c'est leur coin ici, c'est leur coin Castor. Donc on va voir ça. Tout se fait, ouais, exactement, Coco du 13. Donc aujourd'hui ça va être la bonne demi-année à toi, hein. Bonne demi-santé et plein de demi-sous, une demi-paye, un demi-gilet jaune. Vous mettez que le haut là, vous mettez pas le bas. Il n'y en a pas de bas, non, il n'y a que le haut. Hein. Donc vous, je sais pas, vous mettez la cravate jaune, hein. C'est une demi. Hein. Ça va, tranquille. Voilà, comme tu peux l'entendre. Bien. Bon, alors on va essayer d'élargir un peu la carte là. Voilà, bon, je vais réapparaître par là vers le drop vert. Au risque et péril de me faire emprisonner, évidemment. Oula. Attends, laisse-moi apparaître et puis tu pourras me bouffer après, peut-être, non? T'es où? Ah, oh, bah, il est parti. Ah, il a vu Papy Course. Il a dit, oh là, il est en forme, Papy Course. Non, il m'a laissé le temps de me barrer, ouais, plutôt. Arrachage. Oh là là, oh, il va vite. Oh, il va vite, le monsieur. Voilà, Analosaur, ça va plus vite qu'un T-Rex. Ah non, je croyais qu'il a dit, oh là, voilà Papy, il est en forme, je me barre. Non, il a dû dire, ah, c'est Papy Corse. Ah bon, alors c'est bon, on va pouvoir le bouffer. Il est revenu. Bon, bah écoute, hein, on va essayer, hein, pas au même endroit, s'il te plaît. Oh, ça m'a l'air d'être, je sais pas. Non, c'est pas loin de mon premier corps. Bon, on va se barrer, hein. Bon, bah normalement on est en face. Oh là, il y a un raptor par là. Allez, on va se barrer par ici. On va voir si on a encore un petit peu de structure ou s'ils ont vraiment tout pété. Mais on va reconstruire de toute façon. On va pas se laisser anéantir par une bande de petzouilles. Hein. Généralement, je ne critique pas les joueurs et tout. Mais là, ils ont dépassé les bornes des limites. Donc, pour moi, c'est des petzouilles. Hein. Oh là. Alors voyons voir. Apparemment j'ai plus rien. Bah ils ont tout détruit. Hein. Ils détruisent tout. Hein. C'est là où j'avais mis mon centre d'usinage. Ils ont pété les structures là. Ouais, ils pètent tout. Hein. Ils cassent tout. Bon bah on va faire pareil qu'eux. À chaque fois je vais voir un truc de NIC là. À dégager. Hein. Même si c'est des trucs qui peuvent nous rapporter comme le pétrole, on dégage. Hein. Voilà. Ils vont voir là. Faut pas chatouiller Papy Corse, hein. Parce que Papy Corse, il est, comment on dit, chatouilleux. Ouais, ça doit être ça. Oh, salut Cyclope, j'avais pas vu, comment vas-tu? Ça va, tranquillou. T'es où? T'es sur le privé, tu joues pas, t'es en vacances, t'es dans l'eau, avec ton portable dans l'eau. T'es où Cyclope? T'as fini tes études là maintenant? Alors, ils ont pété également les composteurs et, j'allais dire, la baraque à frites, la baraque à frigo. Ah ouais, ils ont fait du ménage, là. Hein. Ils enlèvent tout, là, hein, de ce qui nous appartient. Hein. Franchement, tout. Donc, ils ont dû faire les coins et les recoins. Donc, on va s'installer là sans s'installer. Je m'explique. Donc on va mettre des structures un petit peu partout, mais on va pas mettre des trucs importants.
on va juste les embêter, on va leur faire croire qu'on continue ici. En fin de compte, on va se mettre ailleurs et là, ça va être un leurre. Donc, ils vont s'occuper ici, ils vont tourner en rond, ils vont regarder les structures, ils vont regarder si on ne trouve pas les corps, etc. Donc, on va les occuper là, tandis qu'on va construire blindés ailleurs. Voilà. Donc, ça sera pas mal. Donc, apparemment, leur fond... Ah, si, elle est toujours là, la fondation, c'est pas normal, hein. Voilà, ils ont une fondation qu'ils ont mis. Et là, démolissable dans 11h23 minutes. Alors, pour moi, je pense qu'ils ont mis une fondation, ils ont mis une échelle ou un mur, et ils ont retiré l'échelle ou le mur. Ah, voilà, ça y est, j'ai vu. Fondation en pierre, ils ont mis. Sur. Ça y est, j'ai trouvé le truc. Ils ont pas mis de mur, ils ont pas mis d'échelle, ils ont mis une fondation en pierre sur la fondation. Voilà, donc tranquille pendant 11 jours et 23 heures. Et ben nous, on va faire pareil. Donc, ça y est, une fondation sur la fondation ? Voilà, c'est ça. Ils ont mis une fondation en clos, tu sais, sur la fondation. Voilà. Alors, papy, il y a de la tribu de Zombra sur le serveur. Alors, c'est qui Zombra ? Tu connais ? Salut Zatam. Ouais, il a été prisonnier avec nous. Ouais. J'ai pu en libérer quelques-uns hier, 3-4 avant de me libérer moi. Hein. Je me suis suicidé, mais avant de me suicider, j'en ai tué. Patricia m'a dit, tue-les avant, tu vas les libérer. C'est vrai, elle avait raison. Donc avec mes points, j'en ai tué 3-4 avant de me suicider. Parce que quand tu tapes, à savoir que quand tu tapes sur les personnages, tu perds plus de vie que si tu tapais sur les murs. Tu vois ? Donc j'en ai eu la preuve hier. Donc ça peut aider. Oui, c'est des Allemands, mais... Zombra, c'est des Allemands aussi ? Oui, c'est pas grave. Ouais. Mais toi, dans une caverne, sinon... ouais, mais il faut que j'en trouve une, Coco. Tout à fait, c'est plus sécurisé. Mais bon, là, on veut pas trop non plus s'installer, tu vois. Nous, notre base, tu sais bien, c'est le 175. Hein. Là, c'était pour découvrir la nouvelle carte avec vous. Et comme on a été provoqué par la tribu N1S, là... Les nains, on va dire les nains, puisque N1S, ça veut dire les nains, hein, tout simplement. Les nains puissants. Donc, ça dépend comment on le prend, dans quel sens on le prend. Donc, voilà. Je suis à un level de la tourelle. Ok, Zatam. Mais on va bien les embêter. Hein. Il faudra que tu m'aides pour la base fermée. Les... Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Moi ici, je peux t'amener du ciment et du métal fondu. Voilà. Patricia, elle est en train de chercher une place. Elle avait trouvé une place, on va voir, pour de l'obsidienne, du cristal et aussi du métal. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, moi, j'ai pas le niveau des grosses tourelles, Zatam. Hein. Pour les premières tourelles, oui, mais pour les autres, non, je peux pas. Hein. Faut le niveau 100. Hein. Non, Patricia, elle a réussi. Elle a enlevé le personnage de ce serveur-là et on en a créé un autre. Hein. T'as un bon spot en sous-sol. Bon, cool alors. Après, c'est peut-être pas judicieux que je vienne en Twitch. Vaut mieux que je vienne en Gaston, hors Twitch. Parce qu'on sait jamais. Hein. Il faut les ressources. Bah, tu nous demandes les ressources, on te les amène. Hein, ou on les met à un endroit bien, bien planqué. Et non, ils n'ont pas trouvé la forge. Super. Et puis on t'amène ça. Hein, on fait mi-chemin chacun et on t'amène ça. Hein, dans des quatre coins de la carte, on t'amène ce qu'il te faut. Tu nous fais un bon truc et puis voilà, il n'y a pas de problème. Oh, il m'a fait peur. Lui. Bon, par contre, j'ai plus que dalle là. Je vais voir si j'ai pas un petit truc. Oh là, il y a pas mal de bestioles, mais je suis pas armé. J'ai que dalle. Hein. J'ai juste une forge. Ça fait un peu short là. Hein. Là, j'ai... Oh, ils ont construit une petite cabane en face. On va voir à qui c'est, si c'est à eux ou si c'est chez nous. On va aller voir ça. Là, j'ai un drop qui s'est formé là-bas. On va essayer d'aller le chercher. Donc là, j'ai l'armoire. Ton petit coffre, il est... Ah, je croyais qu'il était barré, ton petit coffre. Donc, il est encore là, ça va. Donc là, système D, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai à prendre ? Ah, j'ai une ça. Bah, c'est tout ce que je peux prendre. Hein.
La salle de Ptera, c'est plus la peine. Non, bah, je peux prendre que l'arbre. C'est déjà pas mal, hein, écoute. Alors, je te conseille donc de regarder avec un piaf derrière les cascades. Tu vas contre. Ouais, c'est ce que je fais à chaque fois. Généralement, tu trouves des petites grottes derrière. Par exemple, dans Ragnarok, j'en connais deux. Ouais. Il y en a deux ou trois, ouais. C'est ce que je fais. Et même Patricia me dit, à chaque fois que je vois une petite cascade, je lui dis, ouais, je suis à petite cascade. Elle me dit, ouais, va voir derrière. Mets-toi contre et va voir derrière. Généralement, c'est ce que je fais. Ouais, tout à fait, Coco. Il n'y a pas de problème. J'ai un pistolet légendaire que j'ai eu dans un drop, mais dommage, pas le schéma. Ah! Donc préserve-le bien, hein, pistolet légendaire encore à corps. Et fais gaffe, c'est des fourbes. Hein. Hier, ils nous ont eu en beau là, ils étaient planqués derrière les rochers. C'est des fourbes. Hein. Ils avaient laissé leur wyvern et ils viennent à pied. Hein. Très très fourbe. Oh bah tiens, j'ai pas mal là. Ça va peut-être m'aider ça. Donc on va voir. Il y a une baraque qui s'est mise par là. Là, c'est là où je suis mort tout à l'heure, on s'en fiche. Voilà. Une baraque en paille. Ah, va pas durer longtemps. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. On va voir qui c'est. Hello mec. Hello man. Sal, ok. Niveau 12, bacon. Comment va? Comment est-ce que? Where are you? T'es une bande? Comment t'allez-vous une fois? Ah, sourd muet. Ah, bah là, je peux pas t'aider là. Oh, petit bonhomme. Mais non, t'inquiète. T'as une belle maison, elle est jolie ta maison, regarde, elle est toute en paille. Ça va pas durer longtemps, tu sais. Bah oui, je sais bien. Oh, petit bonhomme. Allez, va. Non, je vais pas te tuer, t'inquiète. Allez, bon courage, hein. Ciao, ciao. Je sais pas s'il a compris, hein. Je sais pas si c'est un français. Vu son nom, S-A-L-O, voilà. Oh, il faisait tout le petit timide pour pas que je l'attaque. Vous avez vu? Oh, petit bonhomme. Bon, on va le laisser. Appartient à Bacon et il s'appelle S-A-L-O. Bon, donc j'espère qu'il n'est pas français. Hein, parce que c'est trop. En fait, ces rencontres, hein, c'est mieux que sur Mythique. Hein. C'est dingue. Hein. Ah, tu l'as mis en mode tourelle ton parasaur. Ouais, parce que c'est comme ça qu'ils nous ont trouvé. Hein. Ils ont pris les parasaurs sur les griffes de Wyvern. Mode tourelle et voilà, ils n'avaient plus qu'à suivre le point rouge pour nous trouver. Hein. C'est incroyable ça. Depuis la dernière fois que je suis passé sur ton stream, je me suis beaucoup amélioré. J'ai pu à peu près deux fois plus haut. Ah, super, Coco, super. Tu viens quand tu veux, hein, Coco, là, nous aider. Hein, y a pas de problème. Hein. Le but, c'est d'embêter la tribu nain. Hein. Voilà. Ça va être le but premier. Hein. Donc, j'ai la hache. Là, bon, il y a un allosaure. On va peut-être pas le taquiner. Bon, il n'a pas répondu, je sais pas, ça se tombe, il est en train d'appeler sa tribu, la E.T. Maison. Il y a des soucoupes qui vont atterrir, ils vont être une palanquée, ils vont me prendre en otage, et puis je vais être prisonnier sur la lune, avec un linchichon. Ah ouais, mais il n'y a pas de problème, Coco, hein, tu peux nous aider, au contraire, nous les conseils, on les prend, il n'y a pas de problème. Oh là, il y a des hyènes, ouais d'accord, ok, donc ça devient dangereux par là. Ça devient un peu dangereux, hein. Donc là, faut que je refasse un atelier. Hein. Ouais, y a pas mal de choses à faire. Je sais pas si dans ton coffre, tu as quelque chose d'intéressant, toi. Il me faudrait une pioche. J'ai un générateur, mais il faut que je farme l'électronique. Ah ouais, ça aiderait, ouais. Sinon, tu planques tout aux attentes pour pas qu'ils trouvent et puis sortir tout à la fin pour construire le maximum, quoi. Alors, attends, là, je cherche mon armoire. C'est qui elle est ? Allez, là-bas, ok. Alors, on va y aller. Si on a fait un petit peu de 175 hier soir. Hein. Voilà, la base s'agrandit, hein, impeccable. Il n'y a pas de problème. 175, ça, c'est notre base, pas notre serveur, le serveur est à tout le monde. Notre base principale, on va dire. Voilà. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de sympa là-dedans.
Ouais, d'accord, ok. Ouais, que dalle. Bah, ouais. C'est intéressante la carte, mais bah, fait pas partie de l'histoire, quoi, c'est ça. Oula. Ah bon? Apparemment, il n'y en a pas. Puis c'est x1, peut-être qu'ils les mettront après, hein. Oh, ça devient dangereux là, dis donc. Bon, j'ai un petit coffre là-bas. On va voir si j'avais mis des choses intéressantes aussi. Oh là là, mais non, purée, mais qu'est-ce que ça va vite ce machin là, purée. Purée de cacahuètes en farine et de chocolat, bénénuts. Pour l'instant, je suis sur un tournage d'un let's play. Et je viens les éclater. Je pense que si on vient avec mes potes au bout d'une semaine. Ah bah ça serait sympa ça, coucou. Au contraire. Ça serait cool. On essaye d'avoir les coordonnées. On a essayé d'avoir les coordonnées de leur base hier. Impossible. Hein. Ils nous ont trop embêtés et c'était trop dur. Hein. De réapparaître sans armement et de courir à travers bois avec des allosaures, des T-Rex et tout. C'était pas évident. Mais dès qu'on a. On sait que c'est vers le 50-50. Ils sont dans le milieu, hein, leur base. Hein. Ils sont dans le milieu. Ils étaient 3 hier. On sait qu'ils sont 5 maintenant. Ils ont dû embaucher 2 mecs hier, je pense. Ce sont des niveaux 101. Apparemment, il y en a 2 ou 3. Ils sont au niveau 101. Mais bon, après, si tu veux le maximum. Il y a un 105. Bon, il y a un 105 et 201 alors. Et si tu veux des renseignements, ben, on te les donnera, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu peux les éclater, au contraire, hein. Ça marche. Hein. Nous, on les titille, on ne peut pas les éclater. Hein. On n'a pas le truc pour. Oh là, c'est quoi ça? Eh, hey, oh. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il se barrait, lui. Alors. Dispo, je pense qu'on pourra pas venir. Ouais, il n'y a pas de problème, Coco, on est patient, t'inquiète. Oh là là, même à la fin de l'année. Hein. À la fin de la demi-année, il n'y a pas de problème. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Hein. Ah, il y a du monde là, Amund. Tu l'as ce nom-là? Ah, d'accord. Bon, bah, ça y est, les nains, ils reviennent. Nice, you able to speak English. Ils essayent de recruter à Max pour les faire en esclaves, quoi. Tu farmes pour nous, tout, et puis nous, on te met à la sécurité, quoi. C'est fou, c'est mafieux, ça. Hein. Non, mais... Bon, alors, attends, faut que je retrouve un de mes corps, au moins. Je suis où, là? Ils sont mes lumières, là. Je retrouve au moins où j'avais tout le... Ah, c'est là-bas, ok, ça marche. On va voir ça. Si tu veux, ce soir, je prends le temps de passer, t'en faire un. On va chercher un œuf de Wyvern. Non, non, pas de Wyvern, on ne saura pas où le mettre. Hein. On ne sait pas où le mettre. Hein. Non, 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 on a proposé pas mal. On a trouvé aussi des œufs de des nouveaux dinosaures, là, mais... Pff. Non, non, on s'installe pas ici. Hein. Ou alors, il nous faut une base avec plein de tourelles et tout, après, on pourra avoir une Wyvern. Mais là, non, tu veux, je la mets tout. Ouais. 60-80. C'est pas l'autre qui dit qu'il est à 60-80 Le mec hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas eux, hein. Ils vont pas donner leurs coordonnées, hein. Je pense pas quand même. Hein. Ah, je peux le transférer. Ah bon, tout ce qu'il y a sur Valguero, on peut le transférer sur le 175. Parce qu'on peut rien transférer sur le... C'est quoi ça? Oh, il y a une Wyvern là-bas encore. Purée. Parce que de 175 à Valguero, on peut pas. Hein. On peut rien ramener. Oh, c'est quoi ça? Hello, girl. Where are you? He's a very beautiful.
Baba, your nain, your nain a rejoint la tribu. Ah non, 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 me, your tribu, Papy Corse. I'm sorry, beautiful girl. Sorry, sorry. I'm friend, no problem. Oh, qui passe. Ah, toi, t'es pas friend, toi. Non, non, lui, il est pas friend de lui. Non. C'est moi qui ai servi de friandise pour lui. Oh purée, des... tu m'étonnes qu'elle circulé. Ah, m'inviter dans sa tribu, niveau 99, allez. Non. C'était les carrés, les rectangles. Les rectangles, ouais, des rectangles. Ah bon, ça surprend quand même. Tu vois une wyverne au loin, tu te retournes, tu vois un personnage, tu dis oula, oh oh. HL, ah, je sais pas. Je vais dire no speak rectologue. Bah bien sûr, attends, no speak rectologue. I'm sorry. Bah, allez, on va réapparaître toujours au même endroit. J'ai au moins un corps à prendre là, zut alors. Ouais, mais là c'est dangereux, hein, je te le dis. Hein. On va peut-être se donner rendez-vous ailleurs. Hein, parce que là, j'arrête pas de me faire éclater. Hein. Bon, je suis pas ami plus W. Bon. Voyons voir. Là, donc c'est là-bas. Ah, il y a la maison à l'autre là-bas. Non, non, là, ça, on va arrêter parce que c'est trop dangereux. Hein. Les alouzeurs, t'as des. Des hyènes. Ouais, mais c'est partout qu'il y a des. Ah bon? Oh là, j'ai du mal à décarrer là, tu vois. Bon, ça, on va le virer. À moi qui m'ont piqué ma sacoche, j'avais pris un drop. Il y avait une autre sacoche sur la droite, t'as un autre truc vert. Oh, si c'est derrière, c'est pas. Retire ton. Non, non, mais je sais pas. Attends, je fais tuer. Ah, voilà là-bas. Deux? Il n'y en a qu'une. Ouais, non, mais j'en avais une autre, la principale. C'est chaud, hein? Salut, Nico Argnon. Nico Argon. Ça va, Nico Arc? C'est pas le Nico, non. Ton nom, il est en jaune. Papy, je vais me. On voulait pas. Hein? Gab Spirit. Papy, je m'avais connecté, on voulait pas m'inviter. Bah, parce que on te connaissait pas. Il faut qu'on connaisse, on va pas recruter ceux qu'on connaît pas. Ça se tombe, c'est des mecs de nains. Alors. Ah, elle a dû me picher ma sacoche, dis. Oh zut alors. Ah, puis j'avais ma hache. Oh non. Ah, c'est peut-être celle-là. Ah, c'est mon corps là. Ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, non, c'est bon. C'est nickel. Ouais. Ouais, c'est ça, vers le drop vert, dans le centre. Voilà, bon, ça c'est bon, ça c'est une bonne chose. Bon, là, je sais pas par où commencer parce qu'il y a tout à refaire. Là. On a la forge. Ouais. Bon, là, ils nous mettent ça, là, avec des enclos. Hein. Voilà leur truc. Tout ça pour pas qu'on s'installe. On va faire pareil chez eux, hein, de toute façon. Si je tape, ça fait quoi? Oh! 3! 3 de dégâts! Ah ouais, non, laisse tomber. Ouais, ça va, tranquille, Nico. Tranquillou. Non, tu as dit, papy, invite-moi en général. Fallait attendre que papy soit connecté sur Twitch. Alors, attends. Salut, papy. Ok. Pour l'instant, le cluster est pour l'instant fermé. Ah, s'ils sont dans le cluster, c'est logique. Il fallait le dire. Ok, ça va. Non, tu as dit, papy, invite-moi en général. Fallait attendre que papy soit connecté. Ah, je sais plus.
Ah, je devais avoir pris une surdose de médoc, hein, je ne me rappelle plus. Hein. Non, mais moi, je veux bien vous inviter du monde, il n'y a pas de problème, mais il faut que vous les connaissiez bien. Hein. Si vous ne les connaissez pas, bon, c'est normal que vous refusez. Hein. Ils sont tellement fourbes, les autres, là, que... qui peuvent nous apporter une taupe chez nous. Hein. Bon, ça, c'est quoi, ça? Hop. Donc, ça, c'est bon, on regarde. Chaud, chaud. Alors, non, papy, tu n'étais pas connecté, même Arnaud l'a mal pris. Comment... Qu'est-ce... Hein? De quoi? Qu'est-ce qui... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Marlène, je n'avais pas compris. Ok, code sécurité, trop nouveau. Non, papy, tu n'étais pas connecté, même Arnaud l'a mal pris. Mais Arnaud, il fait partie de la tribu maintenant, c'est Mecha. Je l'ai libéré hier en le tuant. Il était prisonnier avec moi. Ah, je comprends pas là. Y en a, ils n'ont pas attendu que je sois sur Twitch pour inviter du monde. Hein. C'est pas la peine que je sois sur Twitch pour vous inviter vos potes. Hein. Y a pas de problème. Hein. Le principal, c'est que vous les connaissiez, c'est tout. Hein. Si vous les connaissez pas, c'est normal de dire, bon, tu vas voir papy, parce que moi, je préfère pas, je te connais pas. Ok. Après, si je dis, ouais, si vous voyez Peter Pan, voilà, si je suis pas connecté, puis vous demande de la tribu, bah, vous pouvez le prendre. Là, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ou bien il était connecté ce jour-là. Ah, je sais pas, mais bon, Arnaud, il fait partie de la tribu maintenant, c'est Mecha. Donc, non, bah, j'étais pas au courant de tout ça, qu'il a mal pris un truc. Non, c'est dommage. Je m'en excuse d'après. Hein. Pas d'avance, mais d'après. Alors, voyons voir. T'es où là, Tio? J'irai essayer de rapparaître vers là où on était, mais j'ai apparu vers les marais, vers les montagnes. Mais... Ouf, ah, en bas. Je vais me faire bouffer par moi. Alors, attends, là, il y a un truc qui descend. Je vais essayer d'aller le chercher avant que. Parce que là, il y a du monde par là en plus. Hop, on va s'accroupir. Ah oui, toujours au castor. Hein. Je tourne en rond parce que je ne sais pas quelle stratégie faire. Il y a du monde un peu partout. J'ai vu une wyvern. Il y a du monde des nains. Voilà. C'est pour ça que je voulais aller sur 175 pour être un petit peu plus tranquille parce que là, ça va être galère. Alors, oui, bien, il était connecté ce jour-là. Bon papy, je vais, je repasse. Ok, ça marche, Coco du 13, pas de problème. Merci hein, d'avoir été le premier à me dire bonjour. Un petit coup de, hein, comme t'as dit, un petit coup de, hein, voilà. Furtivement, voilà, c'est ça, un petit coup de furtivement. Pas de problème, Coco, hein, ça marche. Passe une bonne demi-après-midi. Ciao, ciao, Coco. Alors. Là, je suis au bit bleu, j'allais dire, non, au drop bleu qui vient de descendre. Je vais prendre ce qu'il y a dedans, ça n'a pas de forme, mais bon, je vais le prendre. Ça va éviter d'attirer les oiseaux et les moineaux et les pigeons. Il faut mettre du pain sur le balcon, sinon, hein, si on veut des oiseaux et des pigeons. Sinon, il faut vivre sa vie par procuration, hein, hein. Devant le poste de télévision, en plus. Hein. Ah ouais, ouais, non, c'est important aussi, ça. Si t'as pas de poste de télévision, tu peux pas vivre ta vie par procuration. Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Jean-Jacques Goldman, non, moi, je sais pas. Hein. Y a pas de sous-saille. Bon, j'attends mon épouse, comme d'hab. Comme un homme attend son épouse. C'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Ah bah non, je l'ai pris le dos bleu. Ne sais pas où aller. T'as un vignon dans le nez. T'arrives pas à l'enlever. Je sais pas. Oh, je m'étouffe. Bah, ça promet, hein, ça promet. Bah, anciennement, le lit numéro 1, je vois quelqu'un courir là-bas. Oh, ça doit être toi. J'attendais que tu sois en verte. Ah, non, c'est bon, je suis là. J'attendais que te voir ton prénom en vert. Mais... Oh, excuse-moi. Oh, n'importe quoi. Excuse-moi. J'ai pas fait exprès. Hein. Pourquoi j'ai fait ça?
Je devais appuyer sur le E, j'ai appuyé sur le... Vas-y, rentre ta broche, toi. Oh, excuse-moi. N'importe quoi. Bon, je te dépouille pas le corps, t'auras à savoir où aller. Oh, c'est pas possible. Même ton niveau 60, je t'ai pété la goule. T'as quoi comme vie? Ah, d'accord, ok. Ah, je me disais aussi. Remarque, il y a une hache aussi. Ah, excuse-moi, hein, franchement, là, c'est pas voulu, c'est pas pour faire rire la galerie. C'est vraiment une erreur de d'Alzheimer. Je suis retourné sur le serveur. Salut Yann! Sur Scorch, bien purée, c'est vraiment la guerre. Ici, j'ai des bases partout où j'allais, il y avait 42. Ouais, mais là, c'est leur terrain de guerre là-bas, Yann. C'est toujours Scorch 204. C'est leur terrain de guerre. Ils se donnent rendez-vous là-bas et ils se bouffent entre eux. Alors toi, si t'as des petites maisons et tout, c'est sûr, tu te fais lyncher, hein, ça c'est clair. Ouais, le 204, toujours. Ah, ouais. Moi, j'ai laissé mon personnage là-bas, donc, mais j'y retournerai, hein, y a pas de problème. Hein. Cette carte-là fait partie de l'histoire du 175, hein, de toute façon. Ragnarok, bon, bah, pareil. J'ai encore Aberration, Extinction à m'installer. Et The Center, encore trois cartes à m'installer. Mais après, ça fait beaucoup, hein, cette carte. Après, le Twitch, je sais plus où on va là après. Hein. Donc, je t'attends. Tu apparais, ça y est, non? Le drop vert, tu le vois? Enfin, la tour verte. Je vais peut-être m'accroupir, moi. Bon, une fois qu'on est ensemble, on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on... Cela, tout est à refaire, on a juste la forge. Faut aller ailleurs, mais, ouais, mais il faut du métal. Ouais, mais c'est abusé. Hein. Peut-on capturer papy pendant que tu dormais? Non, je me suicide maintenant, Yann. Je me suicide à chaque fois. Hein. Hier, j'ai fait l'erreur de pas me suicider avec Gaston. Ils ont trouvé mon personnage déconnecté et ils m'ont capturé. Donc ça va, j'ai pu le récupérer à 2 h du matin. Mais en attendant, j'étais sur le 175 avec. J'ai recréé un Gaston, Gaston 2. Voilà, j'ai un Gaston 2 maintenant. Qui est sur le 175 et j'ai Gaston ici, normal. Ouais, celui-là. Vas-y. Alors, excuse-moi. Ouais. Voilà. On va pas faire ça devant tout le monde quand même. Ah, voilà. Là, personne nous voit. Oui, bah attends 2 secondes. Dépêche-toi. Oh, t'es plus mignonne que celle de tout à l'heure, toi. Waouh. Bah. Ah ouais, wow, le gain au faux. Alors, attends, pour promouvoir au rang administrateur, je te le fais maintenant, je savais pas qu'on pouvait le faire d'ici directement. Voilà. Alors, on fait quoi alors? Déjà, ce serait bien que tu t'habilles, et puis moi aussi, je crois que j'ai des frusques, que moi j'en ai trouvé. Ouais, j'ai le pantalon, j'ai les pompes. Ah bah j'ai l'entièrement, on dit. Ouais, nickel, nickel chrome. Oh, une tenue complète du désert dans le drop, eh. Super, eh. Voilà, moi je suis habillé. Ouais. Super. J'ai une hache, j'ai tout ce que j'ai. Oui, je l'ai prise. Oui. Ouais. Pour ça que tu es avec moi depuis 34 ans. Bon, on vole pas ce qui nous appartient. Hein, non, pas la tenue du désert. Hein. Ah non, non, elle est en dessous. Hein. Je crois que tu me parlais de la hache, moi. Non, non, la tenue du désert, je l'ai prise dans un drop. Hein. Tu veux que j'aille te la chercher? Attends, j'y vais. Incroyable ça. D'ailleurs, on se fait accuser à tort. Comme Michel. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et serré dans tes bras. Furtivement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis resté la même. Ça, c'est de la musique. T'es des slow. T'as été à l'armoire? Ah, parce qu'il y a deux armoires?
Ah bah non, il n'y a rien là. J'ai vu de la tenue de désert, moi, quelque part. Dans ton petit coffre, non? Ah, bah dis-moi, communique. Tu m'as fait prendre un bain pour rien là. Bon, fais quoi, hein? Moi je te suis. Voilà, moi je serais d'avis à refaire un petit peu par là parce qu'il y a du métal et du ciment. On a la forge, donc on va la faire fonctionner. Pour ça, il faut une pioche. Une pioche en métal, faut refaire un. Un atelier. Je commence à être pas mal. J'ai les ailes. Ah, t'as les... déjà? Il a déjà les ailes, Zeta, mais. Oh, bah c'est cool là, ça commence à être bon là, Zeta, impec. Mais bon, fais gaffe parce qu'ils sont fourbes, hein, les autres, hein, les nains là. Les nains de jardin. Les nabos, ouais. Ouais, ils nous ont écœurés hier. Bande de larves. Ouais, 6 ou 7, j'avais vu moi. Ah, il y avait du monde. J'ai pu en sauver que 3-4. Hein. Après, je suis mort. En tapant sur les personnages, tu utilises plus vite ta vie que si tu tapais par sur des murs. Alors, faudra que je vienne sur le serveur faire un peu de ma maison décapotable sur, comme tu dis. Ouais, tout à fait, Yann. Tout à fait, Yann. Sur le privé. Bah, de ce temps-là, c'est mieux, hein. Maison décapotable est égale à une maison anti-raid. Hein. Remarque, sur le privé, c'est clair. On va pas trader là. Hein. Mais dans les officiels, ouais, tu fais une maison décapotable anti-raid. Hein. Ah bah oui. Hein. S'ils voient ce qu'il y a dedans, tu te fais pas. Hein. Sur ta droite, en regardant le lac. Attends, là j'ai des demandes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je m'excuse hein, parce que je bosse en même temps. Je me suis mis de bonne heure en plus sur le Twitch. Vous pouvez discuter entre vous, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. alors vas-y, traduis là, parce que moi, cette langue-là, elle n'est pas terrible. Hein. Bonjour, combien coûte un pour une nuit et deux personnes, ma fille et ma cousine et sa cousine? Et il me demande le prix. Pour une nuit, ma fille. J'en sais rien, moi. C'est pas vrai. Hein. Bonjour. Donc, bonjour, tout est noté sur Airbnb. Allez, hop. Tout noté sur le site. Tout est noté sur le site. Vous faites, comment on dit, la simulation. Vous simulez. Simulez. Vous simulez EZ, hein, c'est ça. Hein, vous simulez pour réserver. Réservé. Ré pour deux personnes. Tout est noté, Yaka. Je comprends pas là. En plus, c'est les étrangers, donc il faut traduire. Pour réserver pour deux personnes. Allez, hop, voilà. Voilà, monsieur. Chaud. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, oui, donc je voulais faire une. T'as trouvé des outils ou pas, toi? Ouais, tu parles avec ça. Bon, moi, il me faut une pioche en pierre. Bah, je peux en faire une, j'ai ce qu'il faut, superbe. T'es habillé ou pas? Sinon, je pouvais te faire en cuir si tu voulais. Un sac de couchage, c'est perso. Un feu, on va peut-être pas faire un feu tout de suite, si. Non, on doit en avoir planqué encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est une fondation en pierre. Ça, c'est un castor. Je sais pas s'ils ont pété. Oh, ils ont dû péter la cabane en bas des castors, je pense.
Bon, bah merci de m'avoir suivi à cet épisode. Rendez-vous prochain. Ciao, bye bye.